On y va, on respire bien. Grand gros gratin d'orge, quand tu te grand gros gratin d'orge, je viserai, je me grand gros gratin d'orge, je viserai, grand gros gratin d'orge, quand tu te grand gros gratin d'orge, je viserai, je me grand gros gratin d'orge, je viserai. Bravo. Voilà. Toutes les deux. J'ai commencé au réseau d'échange en faisant de la danse avec Madame Adam, donc qui pratique toujours. C'est ma troisième année, je suis ravi de faire cette activité. Et donc à un certain moment, on m'a demandé si je voulais animer un atelier de chant, culture vocale, étant donné que moi-même je prends des cours toujours à Paris, tous les 15 jours. Donc voilà, j'essaye de retransmettre ce que j'apprends. Ça fait vraiment un échange. Quand il est mort le poète, bien articulé, exagéré, hein. Vous aurez l'impression d'exagérer, mais en fait, ça sera ce qu'il faut faire. Hein. On y va, les jambes sont fléchies, respiration. Quand il est mort le poète, quand il est mort le poète. Donc je viens au chant depuis 2 ans. Bon, j'avais envie. C'est bien, je trouve que j'ai envie de participer à tous les échanges. Enfin, pas tous les échanges, parce qu'on ne peut pas participer à tous les échanges, mais bon. Parce que c'est intéressant de découvrir, de ne pas rester toujours dans son petit coin. Quand il est mort, le poète. Respirez. Quand il est mort, le poète. Moi, je peux dire que ce que je trouve bien, c'est qu'on se retrouve toujours entre artistes. Que ça soit chant, peinture, cuisine. On est toujours, on se comprend bien parce qu'on est toujours entre artistes. Alors merci les donneurs, les offreurs. Moi j'offre la confection d'un apéritif. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors je ne sais pas si c'est. Si je suis artiste en apéritif, mais ça je ne crois pas quand même.